Ma Minute Santé, présentée par les laboratoires Infamidis. Je suis le professeur Mirza Karnaout, professeur chef de service de pneumophysiologie A au CHU Bni Messous. Donc, la fois passée, on a parlé de diagnostic de la rhinite allergique. Là, une fois le diagnostic de rhinite allergique établi, on doit traiter. Pas uniquement le traitement, mais on doit l'associer à la prévention. Le traitement se base sur deux médicaments. Se base sur des antihistaminiques en comprimé et également sur les corticoïdes. Pourquoi les corticoïdes? C'est à cause de l'inflammation générée par la pénétration des allergènes dans notre organisme. Donc les corticoïdes, c'est sous forme solution locale, ça donne de très très bons résultats. Et pour la prévention, une fois l'allergène identifié, par exemple la poussière de maison ou le pollen, on doit orienter nos conseils vers l'éviction de cet allergène. Par exemple, pour la poussière de maison, on dit aux malades d'utiliser les couettes anti-acariens le soir, d'éviter les lieux où il confie la charge en poussière et tout. Et avec le traitement médical, ça va donner de très très bons résultats. Je vous remercie. Infamidis, au service de la santé.